Ils ont cassé sa porte, je crois. Quand ils l'ont sorti dans la rue, ils le traînaient. Il hurlait d'une façon. Un mélange de panique et de terreur. Et t'aurais vu son visage. Il était couvert de sang. Il y avait des policiers et des miliciens. Ils font leur sortie ensemble maintenant. Chien et rat, même combat. Des vrais barbares. C'est une catastrophe, cette pluie. Dans un pays où la pluie est une catastrophe, la vie n'est plus possible. Lamente-toi. Allez, lamente-toi! C'est la seule chose que t'es encore capable de faire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment t'as pu devenir aussi passif? T'es plus qu'une éponge. Crois-moi, tu ferais peur à celui que t'étais avant. Arrête, tais-toi. Je suis vivant et je compte le rester, c'est tout. Quand tout ça finira, moi je serai encore là. Pas comme tous les autres. T'es devenu un lâche. Un putain de lâche. La milice est venue t'interroger. Qu'est-ce que tu leur as dit? Hein? Qu'est-ce que tu leur as dit? Dis-moi que tu les as pas aidés à trouver ce pauvre type. Tu me soupçonnes? Toi, ma femme, tu me soupçonnes? J'ai simplement dit que c'était pas chez nous qu'on écoutait des émissions étrangères à la radio. C'est tout ce que j'ai dit. Et rien d'autre. Je te le jure. Pardon.
à l'attention du commissaire politique du secteur 4. Monsieur, j'habite un appartement du 71 avenue de la Victoire. Ayant toujours eu des doutes sur l'intégrité morale et politique d'un de mes voisins, un dénommé Mignot, je suis aujourd'hui en mesure d'affirmer que celui-ci mène des activités subversives, voire révolutionnaires, en tout cas sûrement dangereuses pour la paix et la sécurité nationale. Étant sûr que vous prendrez toutes les dispositions nécessaires, je vous prie, monsieur le commissaire politique, d'accepter mes respects les plus profonds.